physique. Quelle physique. Patrice Quenot, vous avez un rapport très lointain avec le Lointain. Lointain, mais une grande affinité avec Raymond, ça c'est vrai, on connaît bien son fils. Vous écrivez des poèmes ? Alors j'écris des poèmes. Je suis médecin, mais dans les réunions qui m'ennuient, j'écris des poèmes, un peu tout le temps. Un auteur de bande dessinée, il passe son temps à faire du découpage, du cadrage, des choses comme ça. Et puis je m'endors sur mes stylos, et ça donne ça. Alors évidemment, on m'avait dit d'amener un t-shirt un peu endommagé par la peinture. C'est pas inintéressant, parce que ça fait une petite bouffée d'air frais, parce que... Vous pensez que Léonard de Vinci avait été recouvert de taches à longueur de temps et que c'était le dernier de ses soucis, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer, quoi. Oui. Au contraire, c'est un plaisir de dormir sur tout de même les taches qu'on a pu faire par l'amour de ce qu'on réalise, notamment la création, la peinture, la poésie, c'est le must, c'est le grand bonheur. Je fais partie d'une troupe de théâtre de Saint-Jean-de-Bornay, dans l'Isère, le figurant. Alors, monsieur Gérard Fontenille, je fais partie aussi de la troupe des 100 façons de Saint-Jean-de-Bournay, et je vais jouer le rôle d'un vigile. C'était Jacques Lassalle, qui est une petite société qui s'appelle OK Prod, là, qui m'a aidé à faire ce tournage. Donc, je dis ça, sans lui, j'aurais pas pu faire grand-chose. Tu figures, Victor ? Non. Ouais, comme ça. Jacques Lassalle. Enchanté, Jacques Lassalle. J'ai entendu parler de vous, hein, c'est bien. Je suis en bien. Ah bon, ça y est, c'est parti. Donc, je suis venu à la rescousse de Gilbert Bouchard. Jean-Claude Couchou, caméraman à l'ORTF, à France 3. Je suis rentré en 1956, j'avais pas 20 ans. Et j'ai fait 40 ans à la télévision française, dont 30 ans de caméra. Très bien. Et vous êtes un ami personnel de Gilbert Bouchard depuis longtemps ? Oui, de son père. J'ai travaillé avec son père, qui était chef de chœur, c'est-à-dire responsable du chœur vidéo de France 3 Lyon. Donc, j'ai travaillé 20 ans avec lui, avec Gérard Bouchard, le père de Gilbert. Sans exagérer, on a l'impression d'être un peu Dieu le père, parce qu'on crée des personnages, on crée des dialogues. La Vierge au Rocher, qui est au Louvre actuellement, et qui a été transportée, enfin la copie était transportée à Vienne ici. Ça se passe bien, Gilbert ? Ça va. Vous êtes dans les temps pour le tournage ? On est dans le lac. Il y a de l'espoir, alors. Est-ce que... Dans l'Arge, après, je suis... Ce côté moment que l'on capte, que l'on crée sous forme de dessin, d'image, qui va ensuite perdurer. C'était un scénario qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et j'ai répondu très favorablement à son appel. Je pense d'avoir pu appeler Léonard, qui va pouvoir donner la dernière touche à son tableau. Ah oui, c'est très sympathique de pouvoir tourner dans un endroit comme ça. On aurait préféré le Louvre, mais bon, c'est assez difficile de pouvoir réaliser quelque chose, enfin un film, dans le Louvre. 5. Thank you.
mais qu'après qu'on comprenne qu'il soit plutôt bras tendu comme ça. Un petit peu sur le côté même. Mais bon, faut pas que ça soit trop exagéré non plus. La subtilité, c'est bien. Il faut qu'il y ait un petit truc qui passe, que les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis c'est bizarre. Et puis c'est qu'à la fin, dame net, c'était pour ça. Poussez-vous de là, vous gênez. Oh monsieur, poussez-vous de là, vous gênez. Qui voulez-vous que je gêne? La personne derrière moi. Si, moi, monsieur, sortez d'ici. Mais pourquoi? Élodie, appelez la sécurité. Dites-leur que cet individu nous importune. Allô, Roger?